Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle soirée où on va parler tarot de Marseille particulièrement. Et j'ai un invité ce soir et il s'agit de François Villeneuve. François Villeneuve, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Stanislas. Alors, tu es tarologue. Je suis tarologue. Mais tu étais dans la finance avant. Alors, comment on passe du monde de la finance au monde un peu irréel? Alors, ce n'est pas exactement de la finance, j'étais dans la diplomatie, mais spécialisé sur les questions économiques, microéconomiques, okay. Macroéconomiques, donc un petit peu finance. J'ai effectivement débuté là-dessus pendant quelques années avant de rejoindre un important groupe privé jusqu'au jour où j'ai eu une sorte de révélation suite à la phrase de mon patron qui m'avait dit « si tu continues comme ça, dans 2 ans, tu seras comme Fabrice ». Et Fabrice, c'était le vice-président Europe de ce grand groupe. Et je n'avais pas envie de devenir un Fabrice. Et j'ai tout quitté du jour au lendemain et je suis parti en Polynésie. Voilà. Et donc, ton rapport avec le tarot, parce qu'on quitte son job, mais pour aller où après? Alors, en fait, le tarot, c'était un peu un compagnon que j'avais rencontré en Afrique du Sud. Il y avait peu d'activités à faire à Johannesburg à l'époque, quand je travaillais là-bas. Et j'étais rentré dans une librairie et je suis tombé sur une boîte. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et en fait, ça a commencé à m'accompagner un petit peu de manière ludique, pour rigoler avec des amis, etc. etc. jusqu'au jour où c'est devenu véritablement un vrai partenaire dans lequel j'ai commencé un petit peu à me poser des questions, à y trouver surtout des réponses me concernant, surtout sur mon développement personnel, en fait. Et si tu préfères, l'aboutissement a été qu'à 31 ans, je suis devenu qui j'étais, en réalité. C'est-à-dire quelqu'un qui se cherche encore, d'ailleurs, un petit peu, mais au moins, ma vraie nature était ce côté de me diriger vers l'ésotérisme, l'enseignement, la transmission du tarot, progressivement. Voilà. Disons que cette phrase, je ne veux pas devenir un Fabrice, ça a été un catalyseur. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu es pleinement satisfait de ta reconversion? Totalement. Voilà. Ça fait 11 ans alors, maintenant, et je suis le plus heureux. Alors, comment on apprend le tarot quand on n'y connaît rien? Comment ça s'est passé pour toi, de ton côté? Alors, en fait, moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur un jeu que j'ai aimé tout de suite. Et je vois quand je donne des cours ou que je fais des conférences ou quand je parle avec des tarologues amateurs, ils me disent « moi, j'ai toujours du mal avec le tarot ». Et en fait, ce n'est pas qu'ils n'y arrivent pas, c'est que leur choix de jeu est mauvais à la base parce qu'ils ne savent pas le choisir. Ils vont prendre par exemple un tarot de Marseille dit classique, effectivement qui est plutôt indigeste, on ne va pas se mentir, même pour moi. Alors qu'il existe des tarots absolument fabuleux qui vont leur donner une compréhension quasi instinctive ou intuitive de la carte. Et ils verront que tout de suite, le tarot, ça fait moins peur, ou ça semble être plus accessible. Donc l'erreur numéro un que font tous les gens qui ont du mal avec le tarot, c'est de ne pas choisir le bon jeu. Ouais. Donc il faut peut-être voir plusieurs jeux avant de faire son choix, enfin d'en avoir plusieurs. Quand je donne des cours, je compare toujours un tarot à un ami. En fait, un ami. C'est-à-dire que vous allez un peu choisir un ami. Toi, tu as des amis comme ci, j'ai des amis comme ça. Si on a des amis en commun, peut-être qu'ils ne vont pas se supporter. C'est exactement pareil pour un tarot. C'est-à-dire que, par exemple, tu ne vas pas demander à ton ami qui est aujourd'hui a des gros problèmes dans sa vie qui t'aide à les résoudre. Ce n'est pas le bon ami pour. Tu ne vas pas demander à quelqu'un qui fait tout le temps la fête, qui est complètement déconnecté, comment résoudre un problème de deuil ou un problème financier. Le tarot, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que
La façon dont tu vas l'interroger, la façon dont tu vas entretenir tes relations, c'est exactement la même façon dont tu vas entretenir tes relations avec des personnes, avec des proches. Donc, certains vont être plus tendres, d'autres plus doux, d'autres plus durs, d'autres plus carrés, d'autres plus précis. Et ben, les tarots, c'est pareil. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, Stan, j'ai fait deux tarots, je ne tire pas tout le temps avec mes jeux. Je tire aussi avec celui de mes confrères ou de mes consoeurs. C'est bien aussi d'alterner, d'avoir. C'est comme sa garde-robe en fait. C'est un peu d'avoir plusieurs tenues. Enfin, je dis ça pour moi, c'est une garde-robe, les tarots, et d'avoir plusieurs tarots à sa portée. Non, c'est exactement ça. Et puis certains seront plus précis pour des questions sentimentales, d'autres plus précis pour des questions financières, d'autres plus précis pour des questions familiales, ou d'autres plus précises pour des futilités aussi. Donc. Alors, je montre le petit Villeneuve, qui est l'auteur de ce tarot qui a été édité en 2019, qu'on trouve toujours en librairie, Cultura, la Fnac, toutes les librairies ésotériques. Alors, il est composé de 22 arcanes majeures, en fait. Pourquoi avoir sorti un jeu avec 22 arcanes majeures? Parce que souvent, les tarots, on les trouve avec 78 cartes. Alors, c'est une bonne question. Je voulais, dans un premier temps, je suis parti du principe que très souvent les gens, quand ils débutent le tarot, ils se servent que des arcanes majeures. Bah, avec le tarot de Marseille des éditions Grimaud, oui, parce que les mineurs ont tendance à rebuter. Ouais, à fond. Mais traditionnellement, même quand je discute avec des confrères ou des consoeurs, moi, et toi, le tarot, moi, je tire qu'avec les majeurs. Donc, j'ai fait un jeu qu'avec les majeurs et je voulais un petit peu surtout le rendre accessible. C'est-à-dire que quand on prend certaines de mes cartes, on va dire presque la signification saute aux yeux. Je ne voulais pas embarquer les gens dans quelque chose qui soit fastidieux, trop symbolique, trop technique et surtout un petit peu old school. C'est un petit peu le souci, malheureusement, des tarots dits anciens, à l'exception du Rider-Waite, bon, qui reste quand même. Enfin, le tarot de référence, à mon sens. D'ailleurs, tous les tarologues modernes dont je fais partie s'inspirent tous du Rider-Waite, hein, plus du tarot de Allez. Marseille classique. Voilà. Donc, on part tous sur un aspect plutôt Rider. Donc, les 22 lames majeures, c'est surtout pour redonner un goût des gens au tarot, en fait, inspiré du tarot de Marseille. Donc, voilà pourquoi je suis parti là-dessus. Et ce qui est fabuleux, c'est que depuis sa sortie, il y a toute une petite communauté qui s'est créée autour du tarot, autour de ce tarot-là. Et j'adore voir mes consultants ou mes élèves me faire des infidélités avec d'autres jeux. Donc, Alors, je voilà. montre un petit peu les cartes. Hein. On n'est plus dans les cartes moyenâgeuses du tarot de Non. Marseille. Hein. On est dans une Oui. imagerie beaucoup plus moderne, beaucoup plus alors, voilà, beaucoup plus inspirée. L'étoile. Donc voilà lune. C'est quoi? C'est l'étoile. Oui. L'étoile, notre belle étoile. L'étoile. Voilà. Superbe carte. Donc les 22 arcanes. Plus il y a un petit livret qui accompagne, qui est très très bien fait. Avec tu Merci. donnes pas mal de conseils avec toutes les significations des différentes cartes. Alors, Alors oui. Il y a aussi une vas-y, je façon, t'en prie. tu dis, c'est de. Il faut comprendre le tarot et pas forcément l'apprendre. Tu peux nous dire ce qu'il en est de ce que tu disais? Alors, ça, je me rends compte, même parmi mes confrères ou parmi j'ai envie de dire mes élèves, que beaucoup de gens connaissent beaucoup plus le tarot que moi, vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont capables de disserter pendant des heures sur la papesse, écrire un bouquin sur l'empereur. Moi, en revanche, ils ne savent pas les comprendre dans un tirage. Ils ne savent pas les incarner. Et c'est là où je pense que, on va dire, je fais un peu la différence. Moi, je sais pourquoi la papesse, elle arrive ici. Je peux même m'amuser certaines fois en consultation, pourtant j'ai 78 lames, hein, à deviner quelle va être la carte suivante. Parce que je sais que les tarots, c'est juste un ensemble qui est cohérent, en fait. C'est-à-dire qui raconte une histoire. Et les gens ont tendance à s'enfermer dans une appréciation ou une interprétation qui soit très technique. Très souvent, on pose encore la question, ça veut dire quoi le fou et le battleur? Moi, j'ai envie de te dire, j'en sais rien. C'est spontanément. Je ne sais pas. Faut voir. Et c'est pour ça que quand je dis faut comprendre pas le tarot, il faut surtout comprendre les cartes. Et dans mon livre, que ce soit dans mon petit livre explicatif et dans mon livre Comment bien tirer le tarot, je personnifie les cartes. C'est-à-dire que la papesse, je vais pas te la décrire sur 200 pages. Je vais te dire, bah, imagine-toi que la papesse, c'est Simone Veil. Et bien là, tu vas tout de suite la comprendre. Voilà. Dis-toi que l'empereur, bah, c'est la personnalité de Napoléon.
tu vas tout de suite comprendre à quoi ça correspond. Donc, en gros, moi, j'humanise déjà toutes mes cartes. Donc, j'ai un rapport avec eux, ou avec elles plutôt, qui est, encore une fois, qui est humain. Et c'est pour ça que je vais comprendre leur position dans un tirage. Parce que je sais les habiller, on va dire ça comme ça. Je sais les habiller. L'erreur qu'il ne faut pas faire, donc, c'est d'apprendre par cœur les cartes sans les comprendre, surtout. C'est comme si demain, tu me fais apprendre un manuel de chimie par cœur dans lequel je vais rien comprendre. Je vais être capable de te le vomir, si tu préfères. Mais je ne vais pas savoir mélanger, on va dire, du sodium avec du... Je ne comprendrai pas à quoi ça sert. Mm-hmm. C'est exactement pareil. Si on n'arrive pas à comprendre le chemin, entre guillemets, du battleur au sein des arcanes du tarot, ça ne sert à rien de faire du tarot. Parce qu'il y a tout un véritable parcours initiatique, en fait. Un parcours initiatique de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va chercher en plus soi-même dans le message du tarot? Est-ce qu'on va chercher à se faire rassurer? Est-ce qu'on va chercher à avoir des réponses? Est-ce qu'on va chercher à avoir des conseils? Est-ce qu'on va chercher à se faire guider? Donc déjà, même à la base, les gens ont toujours du mal à savoir même à quoi sert le tarot. Il le résume très souvent à un vulgaire outil divinatoire, alors que c'est tellement pas ça. Le résumé, c'est un conseiller. C'est un conseiller, le tarot. C'est tout le tarot. Moi, je pourrais en parler. Je suis habité par le tarot. Si tu veux résumer le tarot à un outil divinatoire, c'est comme demander des coquillettes au beurre dans un restaurant étoilé. Ouais. C'est OK, on va te les faire. Donc, en gros, oui, je vais te dire l'avenir. Bien sûr, je vais te le dire. Bon, d'accord. Mais c'est tellement plus intelligent que ça, en fait. Donc, c'est pas le résumé à ça, c'est ce que j'explique toujours à mes élèves. Je vais dire l'avenir, je vous le dis tout de suite, ce sera le plus facile. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas le plus intéressant. Alors, tu parles d'élèves, donc tu donnes des cours sur le tarot. Oui. Alors, ça se passe comment? Alors, on voit sur l'écran qu'on peut te suivre également sur Instagram. École de tarot sur Instagram. École du tarot. École du tarot. Tu l'avais bien écrit, mais je n'avais pas les lunettes, donc je ne vois pas les esquimales. Donc, École du tarot. Alors, c'est quoi l'École du tarot pour toi? Alors, déjà, moi, c'est déjà un compte Instagram qui a commencé pour faire un petit peu vivre un petit peu mes ouvrages et puis l'avancée du travail de Rémi, qui est mon illustrateur. Et ça s'est transformé grâce à quelqu'un que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui m'a dit, écoute, les consultations, c'est super, mais tu transmets bien aussi. Donc, pourquoi tu fais pas des cours? Et j'en avais déjà fait pendant le confinement pour un petit peu, on va dire, faire un petit peu plaisir. Et là, maintenant, j'ai envie vraiment de passer à l'étape supérieure. Alors, comment ça se passe? Ça se passe en visio, par groupe de 4 maximum, parce que je veux que ce soit le plus interactif et le plus convivial possible. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que les gens déjà savent tirer les cartes et surtout, encore une fois, comprennent les cartes. Parce que je peux t'assurer qu'une fois que les gens ont compris, c'est le plus dur, ils apprendront encore plus facilement. Donc, alors, je suppose que maintenant, tu as des élèves qui sont hyper doués. Qui sont hyper doués, oui. Hyper doués. Alors, c'est pour eux pour personnellement ou pour en faire une activité généralement? Eh bien, il y en a qui, ça y est, qui sont passés du côté. Bon. J'ai démissionné, je me lance, quoi. Ah ouais, carrément. Bon, qui était déjà doué à la base, hein, attention, hein, qui avait déjà une pratique. C'est pas des gens qui ont suivi mes cours qui, en 3 mois, ont dit au revoir, quoi. Hein. Donc, mais c'est des gens qui avaient une véritable affinité avec les cartes. Et d'ailleurs, je vais même te dire, dans mes cours, Stan, j'ai quand même beaucoup de praticiens professionnels aujourd'hui dont c'est le métier. Hein. Parce que on va dire, j'ai une approche de la tarologie qui est vraiment particulière. Et puis, j'ai une crédibilité ou une légitimité avec le nombre de consultations. Ça fait quand même plus de 10 ans, j'ai fait quand même plus de 60 000 consultations. Bon, j'ai le recul. J'ai une légitimité aussi vis-à-vis de mes confrères qui se disent, tiens, comment il tire les cartes, lui, un petit peu. Et finalement, c'est vrai que c'est pas con. Donc moi, le but du jeu, je veux que, de manière globale, la vision... qu'a le grand public de l'ésotérisme, elle évolue, en fait. Et le tarot peut être un super vecteur pour dire, regardez, je suis complètement normal, je vis comme tout le monde, je ne suis pas illuminé, je n'ai pas de guide, je n'ai pas d'ange, je n'ai pas de trucs bizarres, c'est juste, je lis les cartes et je t'aide à avancer. Donc,
parce que voilà, parce que je pense qu'il y a, il y a véritablement un public pour ça et qu'il y a surtout un discours pour ça aussi. D'accord. Donc, peut-on faire la différence entre un oracle et un tarot? Parce que souvent, les gens mélangent, ils voient ça comme des cartes. Pourtant une très simple. Hein. Oui, alors, en fait, le tarot, c'est un corpus de 22 lames majeures et de 56 lames mineures. On va dire ça comme ça, qui est un ensemble de règles plus ou moins strictes. Un oracle, c'est des cartes. C'est des cartes. Joie, peur, crainte, haine, et qui a pas tel, et qui a des règles qui sont propres à chaque oracle. Et attention, il y a des oracles qui sont fabuleux, hein, l'oracle de la triade, l'oracle G, le Béline, qui sont des oracles particulièrement efficaces, mais qui ont chacun leurs propres règles. Un tarot est quand même enfermé, qu'on le veuille ou non, dans ses 78 lames. Voilà. Et la philosophie du tarot est différente de celle des oracles. Le tarot est davantage un outil de connaissance de soi, de connaissance de l'autre, de connaissance de l'environnement. Et il est, si tu préfères, c'est quelque chose qui va te permettre de fabriquer le futur. C'est un petit peu la phrase de Saint-Exupéry, que j'adore d'ailleurs. Mmh. J'aurais aimé l'écrire. Hein. C'est lui. Il dit, l'essentiel avec l'avenir n'est pas de le prédire, mais de le rendre possible. Et en fait, ça, d'ailleurs, c'est une phrase que je me suis fait tatouer parce que c'est vraiment le but du tarot, c'est-à-dire rendre le futur possible, tout simplement. Alors, tes cours, tu les proposes directement. Il faut s'inscrire, je crois, sur ton site internet qui s'affiche sur l'écran. Alors là, pour l'instant, je n'ai plus mis de créneau parce que c'est complet. Donc, je vais pour les nouveaux, je vais ressortir des créneaux début juillet, d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Ok. Donc, faut qu'ils te suivent sur Instagram, tout simplement, et ils sont au courant de. Voilà. Quand je réouvre les inscriptions. Donc, ok. Alors, le tarot de Marseille, ça sert à quoi exactement? Alors, le tarot de Marseille, c'est ce que je te disais un petit peu, cette phrase de Saint-Exupéry. C'est vraiment une sorte. C'est un guide. Moi, j'aime bien le comparer à un garde-fou. C'est-à-dire que le tarot. Je vais donner un exemple concret. Le tarot va te dire, si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Et mettons ça dans un cas concret. Bonjour, est-ce que je vais avoir ce métier, enfin ce job ou cette position? Le tarot peut te répondre oui ou non, mais c'est beaucoup plus intéressant de l'interroger différemment. C'est-à-dire, comment faire pour avoir ce job? Et là, le tarot, il va te dire, faites ci, faites ça, essayez comme ci, votre interlocuteur sera comme ça, donc montrez-vous comme ça. Ah oui, mais moi, ça, j'ai pas envie. Si t'as pas envie, énerve-toi, c'est ton libre arbitre. Moi, je t'aurais prévenu. Le tarot, c'est ça. J'ai envie de te dire, c'est un peu ta grand-mère, ton meilleur pote, tes parents, ton petit ange, ton petit démon. Qui te donne un chemin à suivre, qui te donne un chemin à suivre. Attention, si tu vas dans cette relation-là, tu vas t'éclater quelques semaines, mais après, cette personne-là va partir complètement en sucette et tu vas souffrir. Non, mais j'ai pas envie, j'y vais quand même. D'accord, mais je t'aurais prévenu. En revanche, ça peut même aller plus loin. Ça peut dire, si tu veux éviter ça, voilà ce que tu peux faire aussi. Le plus dur, en fait, dans cette histoire-là, et ça, c'est la pratique qui m'a appris, parce que moi aussi, j'ai été confronté aussi à des tirages de cartes, c'est le libre-arbitre. Le libre-arbitre, on a tous le choix à un moment donné. Mais aussi douloureux et aussi horrible soit-il, on a toujours le choix. On a le choix de partir en pleine nuit sans argent, même si c'est compliqué, même si c'est dangereux, on a le choix de le faire. On a le choix de partir à l'autre bout du monde pour faire une connerie, on a le choix. Même si c'est tentant, même si c'est sexy, on a le choix d'attendre le retour d'un homme pendant 15 ans. On a le choix de passer aussi à autre chose, même si c'est douloureux. Et en fait, le tarot est véritablement comme ça. Véritablement comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui responsabilise l'humain, en fait. C'est pour ça que les meilleurs tarologues, certes, ils ont, on va dire, j'aime pas ce mot-là, mais de l'intuition, mais c'est pas ce côté don, en fait. Parce que c'est vraiment un travail de connaissance de soi où tu sais quelles sont tes limites, ce que tu es capable d'accepter ou non. Et c'est pour ça que l'étude du tarot, elle est fabuleuse, parce que ce fameux « connais-toi toi-même », mais c'est ça le tarot, parce que quand le tarot va te mettre face à une réelle problématique, en gros,
Très bien, tu vas avoir ce job-là, mais ça suppose que tu te sépares de ta relation. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et malheureusement, le tarot est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tout est question in fine de choix. C'est pour ça que le résumé est un outil divinatoire. Alors, nous avons... Ouais. Dis-moi. Alors, nous avons Aline qui nous écrit, qui nous dit « Je n'ai pas Instagram, il faut-il l'avoir pour suivre vos cours ?» Non, pas du tout. Donc, un simple... voilà, il faut juste se rendre sur mon site, françoisdineuf.com, vous m'envoyez un petit mail et puis il n'y a pas de souci. Voilà, et on a aussi Soraya, bonsoir. Non, les cours sont sur Zoom. Alors ça, c'est quelqu'un qui doit suivre les cours, Soraya. Peut-être. Elle m'excusera si d'accord, je ne me rappelle pas. D'accord, donc il suffit, il suffit de s'inscrire, de venir sur le site. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, il y a Facebook, il y a plein de moyens de communication. Voilà. Donc, alors, on a vu à quoi servait le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'un bon tarologue ? Mais c'est quelqu'un qui a compris à quoi servait le tarot. Non, je plaisante. Compris. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de, en fait, de conseiller au mieux. C'est-à-dire que le tarot, ou le bon tarologue plutôt, ne va jamais conseiller à, par exemple, quelqu'un qui est extrêmement timide et renfermé d'avoir un comportement hyper expansif. Même si le tarot irait plutôt dans ce sens-là, le tarologue, il sait très bien les limites, on va dire, déjà de ses cartes et de ce que le consultant est capable de faire ou pas. Donc, le problème, c'est d'avoir une vision, par exemple, très clivée ou enclavée de la carte. C'est-à-dire, l'impératrice, c'est une gentille femme maternante et protectrice. Voilà. Non, l'impératrice, ça peut être aussi une grosse garce matérialiste. Et une mère vénale. C'est très, très, très. Ça, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, en fait, ce genre de choses, j'ai presque envie de te dire, Stan, que le mauvais tarologue, c'est quelqu'un qui reste dans la connaissance infinie de la carte, mais pas dans la compréhension de la nature humaine. Voilà. Donc, c'est pour ça que généralement, il faut une certaine maturité, j'ai envie de te dire, déjà de vie, d'expérience, de connaissance, pour vraiment apprécier le tarot. Dans le sens où, si tu es resté toute ta vie, on va dire, figé dans des principes, dans un endroit géographique, avec une seule personne, c'est très dur. Tu comprends parce que. Je ne veux pas trop en révéler sur certains, on va dire, véritables secrets du tarot, mais un bon tarologue, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu tous les arcanes, en fait, et qui est capable de les incarner. Vivre le 6 de bâton, c'est-à-dire ce côté grand voyage vers l'inconnu, vivre le 6 des épées, la profondeur ou la perte de soi intérieure, vivre, je ne sais pas moi, vivre le diable, c'est-à-dire la tromperie, la machination, la duplicité. Donc, plus tu as vécu les arcanes, plus tu les comprendras, en fait. Voilà. Alors, le tarot, c'est 78 cartes. Ça paraît énorme pour quelqu'un qui commence le tarot. Alors, quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui commence le tarot? Parce que 78 cartes, c'est difficile à assimiler. C'est 78 belles histoires. Voilà. Ouais. C'est 78 petits contes. Il faut y aller petit à petit, par étapes. Par compte, c'est parfois tu as des grands comptes, celui du fou qui est un compte particulier, tu as le battleur qui est le compte ultime, et après tu as plein de petits comptes, plein de petites histoires. En fait, le tarot, c'est une grande histoire, c'est une très grande histoire. Je vais te dire un truc, c'est ce que je disais à mes élèves la dernière fois. Et pourtant le tarot, j'ai écrit des bouquins, c'est mon métier. J'ai découvert une énorme facette du fou, de l'arcane du fou, il n'y a pas si longtemps que ça. Et pendant un cours, en plus.
Donc, le fou avait oublié de me raconter une histoire. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, on n'en finit pas d'apprendre des choses sur le tarot, même après une longue pratique. Voilà. Jamais, 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 jamais. Voilà. Alors, je reviens, tu as édité un livre, enfin, les éditions Exergue. J'ai oublié de préciser que le Petit Villeneuve, c'est aussi le même éditeur, les éditions Exergue, où il y a les 22 arcanes du tarot de Marseille avec le livret. Et ici, nous avons eh bien, le manuel assez épais avec les interprétations des cartes. Il y a pas mal de conseils aussi au début du livre. Et puis, je crois, oui, c'est bien cela, il y a des exemples de tirages, de mise en situation qui vous permettent d'avoir une bonne approche du tarot. Pourquoi tu as fait ce livre? C'était quoi l'intention? Alors, c'est vraiment le livre que j'aurais aimé avoir à mes débuts, en fait, quand j'ai commencé. Parce que tout ce qu'on a tendance à lire parfois est vraiment indigeste ou compliqué ou assez étriqué et pas pratique surtout. Et comme tu disais justement, j'ai mis pas mal de mes astuces, mais qui résultent de mon expérience en tant que tarologue. C'est-à-dire attention, méfiez-vous, mon astuce c'est faire ça. Et j'ai mis aussi des exercices à la fin pour justement aider à raconter une histoire. Parce qu'au final, un tarologue, c'est quoi? C'est un conteur d'histoire, mais d'histoire plausible. Hein. Ce n'est pas un conteur de contes de fées. Hein. D'accord. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé dans certains bouquins, quand j'ai commencé véritablement à être passionné, et bien entendu, je ne vais pas les citer, mais certains sont véritablement ou trop complexes, ou indigestes, ou obsolètes. J'ai dit non, les gens, quand ils veulent tirer les cartes, ils veulent savoir que pense un tel de moi, pourquoi cette relation elle est en train de rater. Ce n'est pas des choses qu'on retrouve dans des manuels type théoriques du tarot. Donc moi, je voulais vraiment faire un manuel, d'ailleurs c'est pour ça que c'est un manuel où on dit pop, 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 ok, bon, telle carte, là j'ai compris en 5 mots-clés ce que ça veut dire. Comme je te disais tout à l'heure, comme j'ai nommé mes cartes. J'ai nommé mes cartes, par exemple, voilà, le 5 de coupe, c'est voilà, bon, le soleil. Il est beau, celui-là. Il est beau, le soleil. On comprend tout de suite, en fait, que donc le but, c'était véritablement des repères, des mots-clés, une mise en situation tout de suite très claire, bing, bam, boum, quoi. Mais ça, c'est ma formation de juriste. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'écriture sur chaque carte, mais il y a l'essentiel en tout cas. C'est le principal en fait. Hein, je montre. Il y a l'essentiel parce que après, j'ai envie de te dire encore une fois, quand on cherche à pratiquer le tarot, j'insiste bien sur le mot pratiquer le tarot. Il y a certaines choses qui sont véritablement superflues. Voilà, dans le sens, à quoi ça sert de savoir que par exemple la couleur des chaussures de l'impératrice. Non, mais ce n'est pas des blagues parce que c'est ce oui, c'est ce qu'on retrouve très dans les livres traditionnels. Ouais. Voilà, pourquoi on va s'attarder aux 5 points de la couronne de tel roi? Bon, ok, je vais te dire, même moi, ça, je l'ai oublié. Donc, quelque part, tout ça, en revanche, je l'ai intégré, je l'ai condensé. J'ai enlevé ça, j'ai enlevé, si tu veux, un petit peu tout le superflu que j'estime être aujourd'hui superflu, surtout au XXIe siècle. Il ne faut pas oublier que le tarot, à la base, il y a quand même 500 ans. Hein. Donc, il y a certains modèles, certaines icônes, certaines arcanes ou une iconographie qui n'a plus lieu d'être au XXIe siècle. Ça ne sert plus à rien de représenter une forme de pureté dans certains voiles, que ce soit par exemple le fameux voile qu'on va retrouver sur l'impératrice ou sur la papesse. Certaines notions ne sont plus du tout obligatoires au XXIe siècle. On n'est plus au Moyen-Âge. Donc, le but du jeu, surtout le but de mes jeux, c'est déjà aussi de faire un peu de consacrer un peu la femme moderne. C'est-à-dire dans le sens où le tarot classique est quand même profondément misogyne. Moi, je voulais vraiment, la femme, on veut l'égalité des sexes. Et bon, voilà, on va commencer à la mettre déjà dans le tarot, quoi. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes dans mon jeu que d'hommes, hein, au passage. Donc, tu parles des femmes et des hommes. Dans les cours, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes ou pas? Oui. Ouais. Comment ça se fait? Il y a une réponse à cela? Je pense qu'elles ont plus de sensibilité, je pense. Ouais. D'accord.
Alors, si vous nous suivez sur Facebook et sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'utilisation du tarot, comment bien utiliser le tarot, si le tarot vous intéresse, sur les formations. Alors, je voulais aussi dire que par rapport au manuel, ce que j'ai trouvé très bien, c'est le côté spirale, le côté pratique, en fait. Parce que quand on veut regarder une carte, par exemple, eh bien, on ne s'embête pas à plier le livre dans tous les sens et il tient en place, en fait. C'est ça qui est formidable. Je sais pas, c'était un choix de l'éditeur ou c'était un choix C'est un choix total de l'éditeur. Voilà. Ouais. D'accord. Ah, j'ai pas que des bonnes idées. Hein. C'est un choix de l'éditeur. J'ai trouvé ça pratique, en fait, parce que quand on veut la signification d'une carte, c'est pratique et ça évite qu'on se martyrise le livre dans tous les sens. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. On ne voit pas ça souvent. Et puis, il y a une partie aussi, on peut noter ses notes personnelles. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment le manuel qui est à la portée de tous, en tout cas. Non, ça, c'est super parce que le coup des notes, c'est ouais. Tout bien. Je me rends compte que ça aussi, c'est un choix de l'éditeur. Oui. Parce que quand j'ai étudié certains tarots, effectivement, j'ai gribouillé, mais partout sur le livre. Mmh. Et voilà, il y a de la place hein, pour écrire. même entre chaque carte, il y a quoi de faire ces petites notes. Alors, il y a un autre tarot qui est très attendu, qui est en route, qui est chez l'imprimeur, et qui va concerner les 78 cartes. Et donc, je crois qu'il va sortir. Alors, c'est les éditions Exergue, c'est toujours pareil? Toujours le même éditeur. On ne change pas une équipe qui gagne alors. Donc, ça sera les 78 cartes. Alors, je crois que dans les 22 arcanes, il y a des petites choses qui ont été modifiées au niveau des dessins. Qui ont été modifiées parce que, avec Rémi, quand on avait fait. Alors, c'est qui Rémi? Rémi Torregrossa, donc ce fabuleux illustrateur. Mm-hmm. Quasiment terminé les 56 mineurs. Même le travail de Rémi avait évolué aussi, parce que c'est quand même passé 3 ans entre les deux. Hein. Alors, Rémi, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît quelque chose en tarot ou pas du tout, ou c'est juste le dessinateur? Non, mais à la base, rien du tout. Rien, d'accord. Rien du tout. Rien du tout. Maintenant, il est redoutable. Mais le truc, c'est qu'avec Rémi, quand on avait vraiment avancé sur les 56 lames mineures, et quand on avait vu la qualité du dessin qui s'était développé, parce qu'entre-temps, Rémi avait eu 3 très gros projets de bande dessinée, et comme Rémi progresse aussi, hein, Rémi est un jeune dessinateur, on s'est regardé sur certaines lames majeures, on a dit « vas-y, on ne va pas laisser ça comme ça quand même ». Donc, du coup, on en a refait de certaines, en effet. Donc, On a refait le soleil, et après, on a amélioré l'impératrice, on a hésité sur le monde, on a refait le battleur, on a changé 2-3 petits trucs. On a refait la mort aussi. D'accord. La mort, maintenant, notre mort ressemble plus à ça. Tu parles du battleur, mais c'est le majeur. Il s'appelle toujours le majeur dans la nouvelle version aussi. Il se rappelle le battleur maintenant. Ah bon, pourquoi alors? Pourquoi l'avoir appelé le majeur? Parce qu'à la base, j'aimais bien l'approche anglo-saxonne du magicien. Ouais. Voilà. Et j'aimais bien le battleur français. Donc, je voulais faire un peu un mix des deux. Et finalement, d'un point de vue pratique, pour ne pas perdre trop les gens, en fait, mm-hmm. on est reparti sur le battleur. Voilà. D'accord. Alors, donc, les 78 cartes. Alors, les arcanes majeures et les arcanes mineures, peux-tu nous dire la différence entre les deux? Parce que souvent, on utilise les arcanes majeures, comme on l'a dit au début de l'émission, et qu'on délaisse malheureusement les arcanes mineures. Alors, moi, j'aime bien parler en métaphore, comme ça, les gens comprennent. C'est beaucoup plus simple. Dis-toi que tu es dans le noir, mm-hmm. par terre, et tu es en train de manger un truc absolument exceptionnel. Mais tu ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est magique. Ça, c'est les arcanes majeures. D'accord. Maintenant, tu imagines des tables, des chaises, du service, un couvert, un beau cadre. Et ça, c'est les arcanes mineures. Et ça va te permettre vraiment d'avoir une vue d'ensemble absolument extraordinaire de ton expérience au restaurant. Dans les arcanes mineures, c'est le décor, alors. C'est tout ce qui n'est pas essentiel, mais qui au final
lait. Voilà. Donc, alors, tu conseillerais que quelqu'un qui veut se lancer dans le tarot, est-ce qu'il utilise l'ensemble du jeu ou il y a des fois où on n'utilise que les 22 arcanes? Pour se familiariser un petit peu sur des tirages simples, exemple pour analyser un état d'esprit, avoir des réponses simples, les arcanes majeures sont sympas. Mais pourtant, je prêche pas pour ma paroisse, mais j'encourage tout le monde à commencer directement avec les mineurs. Tout le monde. Mon C'est éditeur, ce qu'on enfin, ne faisait pas il y a quelques la années. Moi, quand j'ai débuté avec le tarot, j'utilisais que les 22 arcanes majeures. Il n'y a Oui. pas très très longtemps que j'ai commencé les arcanes mineures et je me suis dit, mince alors, c'est dommage de ne pas les avoir utilisées. Bon, c'est vrai, quand on utilisait le tarot Grimaud, elles n'étaient pas très sympas, ces arcanes mineures, donc c'était Non. pas du tout parlant. Maintenant, on a des jeux de type Rider-Waite où le jeu que tu vas sortir, parce que j'ai vu des Voilà. cartes mineures sur certains lives, donc elles sont beaucoup plus parlantes, elles sont intuitives, elles disent quelque chose, c'est une histoire. C'est une véritable histoire. Et c'est pour ça que je te dis, si mon éditeur écoute cela, il va me couper la tête. Mais il vaut mieux effectivement commencer directement par les 78 lames majeures. Ouais, même si Les c'est 78 lames, l'ensemble du jeu. l'ensemble des lames, évidemment. Ouais. Parce que justement, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais prendre une lame, on va dire mineure, au hasard, qui est le 10 des deniers. Voilà, donc je ne sais pas si on la voit, je pense qu'on la Oui, voit. Okay. si on la Le 10 voit. des deniers, voilà, il ne faut pas être un grand tarologue pour comprendre que le 10 des deniers représente l'accès au Graal, l'accès à un château, l'accès dans un truc super chouette. Il y a plein de pièces, j'ai l'impression, sur la Oui, carte en c'est le bas, et chemin, ça, le chemin est c'est pavé d'or. le chemin doré qui va à un château. Voilà. Bon, ben c'est bon, vous avez compris la carte. Ouais. Donc, se passer de ça, c'est dommage quand même pour raconter une histoire. Tu vois? Ouais. Donc, Bon, il y a des cartes qui sont moins évidentes que celle-là aussi, hein. écoute, Je vais le j'ai pris dire. au hasard, je en prends, enfin, encore une autre. Hein. Pourtant, je ne prends pas les plus belles. Hein. Donc, enfin, les plus belles, sont Ouais. toutes belles, mais je ne prends pas les. Voilà. Là, je pense que tout le monde comprend. On voit des gens tirer des blocs, probablement pour construire des pyramides. Bon, on se doute, c'est une carte d'effort. Bravo, vous savez lire le 10 de bâton. Donc. D'accord. On nous dit ce tarot est tellement beau, vivement sa sortie. Alors oui, c'est vrai qu'il est C'est gentil, merci. Et comme il sort en théorie en novembre. il Voilà. est très 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 demandé et très attendu ce tarot. Yes, moi, je suis content. Toi, tu l'as entre les mains, c'est le Moi, prototype. j'ai le prototype. Bon, vous avez vu, on n'a pas le dos, j'ai même pas le dos de carte. Hein. Ouais. Donc, Alors ça mais se passe comment un prototype? Il est édité par le non. même imprimeur ou pas? Non? Comment ça Non, se non. Là, passe? je saurais pas te dire, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est. Que ça coûte cher, même un prototype. Mais Ouais. c'est pas le même imprimeur. Là, en plus, celui-là avait été fait pour des raisons, des raisons vraiment pratiques pour la formation vidéo qui est chez Vivo Jojo. Il nous fallait quand même des jolis supports visuels. Donc, et il n'y a que deux prototypes, l'un dans mes mains et l'autre chez mon éditeur. Voilà. Alors, tu parles de la formation Vivo Vojo, Ça. qui est une formation de tarot que tu as fait en Voilà. vidéo. Alors, Il tu y a peux nous deux. dire, il y a combien d'heures de Il vidéo y a huit et... heures de vidéo où il y a une Ouais. explication de chaque arcane avec des tirages qui sont commentés. Avec des tirages qui sont commentés. Voilà, je prends vraiment les gens par la main et c'est vraiment. Voilà, c'est encore une fois, c'est ludique. Tu sais, j'avais rencontré un Rien à voir, hein, mais enfin, si ça. J'avais rencontré un professeur de droit quand j'avais 19 ans. Un mec, toujours vivant d'ailleurs, brillantissime, exceptionnel. Et je ne comprenais pas le droit, en fait. Parce que déjà, le droit, dans la première année de droit, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment compliqué, quoi. Et en fait, ce mec-là, en une demi-heure, il m'a fait comprendre le droit. Et la facilité ou la simplicité avec laquelle il m'avait résumé des trucs hyper complexes, en fait, a façonné toute ma vie, toute ma façon de penser et toute ma carrière. Donc, c'est pour ça que j'essaie vraiment de transmettre le plus simplement possible. Et surtout, démystifier vraiment ce que peut être le tarot. Voilà.
En tout cas, moi, j'ai vu la formation en vidéo en ligne qui est super bien faite, bien tournée, bien expliquée. C'est des petits modules de quelques minutes et on avance pas à pas dans l'évolution des 78 cartes. Et puis, il y a tous les conseils, un peu l'histoire du tarot, bien sûr, au départ. Et puis l'explication un peu de tirage, c'est ça, il me semble. Il y a des tirages qui sont commentés. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que parfois, je me reprends pendant un tirage parce que comme je voulais absolument pas tricher, je tirais vraiment avec les cartes mélangées. Et j'ai expliqué pendant la formation que pourquoi la signification de cette carte-là avait changé, une carte précédente, parce que la nouvelle était venue raconter une autre histoire. Du coup, il fallait donner un sens à la première carte. Mais tout ça était profondément logique. Donc, même cette espèce de, je ne veux pas dire de loupé, parce que finalement, un tirage, après, ça précise dans sa globalité et non à l'instant T, étape par étape. C'était un exemple qui était assez intéressant de tirage vraiment en réel, comment... une carte, par exemple, je ne me rappelle plus la carte, mais comment le 2 des épées, qui veut dire l'obstination et l'aveuglement, eh bien, au final, veut dire tout l'inverse deux cartes plus tard. Donc, mais j'explique tout ça dans la formation, évidemment. D'accord. En tout cas, bon, si vous voulez voir cette formation, vous allez sur le site guidedelavoyance.com. Depuis ce matin, la formation a été mise en avant sur la page d'accueil du site. Vous verrez, il y a la tête de François Lambert, François Villeneuve. Oui, c'est pas lui, mais c'est François Villeneuve qui est en tête du site et vous pourrez cliquer sur le lien et vous verrez toute la description de la formation qui vous est proposée. Et puis, il y a aussi des webinaires aussi qui ont été rajoutés en plus de la formation. Il y a, je crois, 4 webinaires. Il y a 4 webinaires en plus, 4 ou 5 même, où là, c'était vraiment effectivement un petit comité. Il y a eu pas mal de petits trucs qui ont été faits, des petits modules de suivi où il y a pas mal de sessions de questions-réponses. Donc, c'est quelque chose qui a été fait vraiment, 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 vraiment avec le cœur. Et je vous invite à la suivre. Alors, il y a des cartes aussi dans le tarot qui font peur quand on prend, par exemple, la maison Dieu, la mort. Alors, rien que le nom, la mort, fait peur, le pendu. Alors, dans mes consultations, lorsque je sors ces cartes, les gens, ils font « Ouh, c'est pas bon ça, la mort ». La mort, le pendu, la maison Dieu dans le même tirage, non, ça, c'est vraiment pas bon, par contre. Oui. Alors les gens qui écoutent ce soir et qui vont consulter quand ils vont voir quelqu'un avec la mort et la maison Dieu, ils vont dire oulala. Non, le truc c'est que justement, j'aime bien ce que tu viens de dire dans le oulala. Oui. Parce que c'est la réaction souvent des consultants en fait. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que j'ai bon. Est-ce que tu as là le temps que je la trouve, ça risque d'être un peu long. Mais je vais donner l'exemple de la maison Dieu. La maison de Dieu. Je l'ai sous la main. Voilà. Ah, super. Voilà. Alors, si tu peux la montrer. Voilà. Hop. Voilà. Alors, regarde. Donc, alors, en fait, dans la maison de Dieu, donc, on voit effectivement le temple de Salomon qui a été détruit, etc., etc., par un œil. Donc, en l'occurrence, c'est Nabucodonosor II donc, qui a détruit le temple de Salomon. Et moi, je voulais quand même qu'on laisse un espoir, en fait, dans la maison de Dieu. C'est-à-dire dans la version classique, même du Rider ou du Tarot de Marseille, c'est les gens qui tombent de la tour, c'est une horreur. Hein. Bon, moi, regardez, les gens, ils ne sont pas morts. Les gens, ils sont en train de fuir. Et quand on connaît l'histoire, et en l'occurrence, c'est directement une histoire inspirée du peuple juif, ces pèlerins, ils sont partis, et 2000 ans plus tard, ils ont quand même réussi à reconstruire quelque chose, en l'occurrence un pays. Donc, je voulais montrer que malgré la destruction violente de la Maison Dieu, qu'il y avait quand même un espoir qui subsistait au sein même de la destruction. Et je l'avais illustré avec une phrase de Gandhi, je crois que c'est dans mon livre, il y a toujours de l'espoir, même dans la destruction. Et l'espoir, c'est ça. C'est-à-dire que ces gens, ils ne sont pas morts. Ils vont même pouvoir reconstruire quelque chose ailleurs. Donc, même si la maison de Dieu fait effectivement très peur, on ne veut pas dire que c'est une bonne carte, hein, ça c'est évident, mais si elle intervient par exemple dans un tirage professionnel, la maison de Dieu va venir dire, c'est la fin de ce que tu es en train de faire, mais t'inquiète pas, très probablement tu vas te reconstruire ailleurs. En revanche, ce que tu es en train de vivre, tu l'oublies. Pourquoi ? Parce qu'on ne reconstruit jamais sur les ruines de la maison de Dieu.
Jamais. Alors, il nous reste 15 minutes de direct. Donc, si vous avez des questions, François Lambert va vous répondre. François Villeneuve va vous répondre à vos questions, à quelques questions, si vous avez des questions. Sur, il y a qui de Stanislas avec qui je pourrais te confondre C'est moins répandu, Stanislas et François. En fait, François Lambert, c'est pas un médium. Si, c'est pour ça que je fais une confusion. Donc, si vous avez des questions sur votre vie professionnelle, ou une question sur les déménagements souvent, ou une question, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut poser comme question au tarot d'ailleurs ? Quelles sont les questions qu'on peut poser au tarot ou qu'on ne peut pas poser au tarot ? Est-ce qu'il y en a qu'on ne peut pas poser ? On peut tout poser au tarot, mais c'est surtout la façon dont on va l'interroger. Tu sais, encore une fois, si on part du principe que le tarot est un ami, on fait aussi attention à la façon dont on va l'interroger. Moi, je t'avoue que certaines questions qu'on me pose, je dis « Désolé, je ne dérange pas mes cartes. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que tout simplement… Comme j'ai un lien, on va dire, amical avec, quasi presque familial, j'ai pas envie qu'elle me fasse la gueule après. Tu vois ? Parce que ça a quand même une âme. Donc, c'est vraiment la façon. Après, il faut éviter de poser les questions aussi dont on connaît déjà les réponses pour tester. Alors, ça, par contre, c'est quelque chose que je recommande parfois en cas d'exercice. Pour les gens qui débutent, je leur dis, tirez les cartes, donc vous avez déjà les réponses. Comme ça, ça va vous aider, ça va vous guider effectivement sur certains éléments. Mais là, si parmi les auditeurs, certains ont une question, on va dire, précise, ouais, avec plaisir. Donc, Alors, lancez-vous si vous êtes à l'écoute. Alors, on était dans les cartes qui n'étaient pas toujours sympas pour les consultants. Je parle, par exemple, de celle-ci, la mort. Et encore, dans ton jeu, la mort a l'air d'être plutôt sympa, plutôt que dans le tarot de Grimaud, le tarot classique, on voit un squelette. Là, il n'y a pas de squelette. Hein. On a la faux, certes. Bon, il y a marqué la mort, par contre. Hein. Voilà, c'est très explicite. Mais la carte est plutôt sympa, non ? Elle est sympa parce qu'on regarde ce qu'elle fait, en fait. Si on réfléchit bien, on dirait plutôt qu'elle a l'impression de protéger des gens. Tu comprends ? Et qu'elle ne veut pas te laisser passer. Donc, moi, je voulais plutôt la mettre en mode « Attention, tu ne passeras pas. C'est moi qui décide. » Et c'est un peu ce que veut dire la mort, en fait, au final. On lui avait donné une image un peu d'épinal. La mort, ça veut dire la résurrection dans le tarot ? Non. Ça, les gens se trompent très souvent là-dessus. En fait, on a donné cette image d'épinal parce que les gens avaient peur de la mort. Donc, c'est beaucoup plus facile de penser la mort, la résurrection type le Christ, etc. Donc, on va ressusciter, vous n'en faites pas, vous n'en faites pas. Mais en fait, la mort, elle m'a appris une chose dans le tarot, c'est que la mort, il faut la prendre dans son sens littéral, c'est la fin de toute chose. La mort, c'est la mort dans le tarot. C'est-à-dire que, par exemple, dans un tirage, on va dire sentimental, voilà, je m'appelle Janine, je vois quelqu'un trois fois par semaine. La mort, elle vient pas dire « c'est la fin de votre relation ». Elle vient de dire « c'est la fin de votre relation comme ça ». Si ça se trouve, de trois fois par semaine, ils vont emménager ensemble. Tu vois, ou si de trois fois par semaine… On passe à l'étape supérieure. Ou pas. Mais d'abord, la mort vient dire « c'est la fin de ça ». La réponse à la mort, elle est derrière, dans les cartes suivantes. Mais la mort, d'abord, c'est la fin. C'est toujours la fin. En tout cas, il ne faut pas y voir… Il ne faut pas y voir qu'une notation négative. C'est vrai que quand on voit, il y a marqué la mort sur cette carte, parce que souvent les cartes, elles n'ont pas marqué la mort. On a laissé la gâchette vierge, mais là, elle est marquée la mort quand même. Hein. Oui, mais moi, je l'ai écrit parce que moi, je ne voulais pas faire un oracle à la Harry Potter, tu sais, celui dont on ne dit pas le nom, tu sais, pour Voldemort. Voilà. Oui. Donc, moi, non, la mort s'appelle la mort. Donc, on ne doit pas en avoir. Ok. C'est le meilleur. Alors, nous avons une question, Aline. Alors, peut-être qu'il faut la date de naissance, c'est ça ? C'est mieux. Aline Verny, est-ce que vous pouvez nous donner votre date de naissance dans le chat ? Et alors, généralement, on tire combien de cartes pour une question ? Ça dépend. Il n'y a pas de... Si ça se trouve... la question, j'ai une question, vais-je déménager ? Alors, les questions en oui-non, généralement en une carte. Hein. Mais
Alors, elle est née le 22 janvier 74. Alors là, on va le faire un peu plus globalement. Attendez. Non, c'est pas ça. C'est pas 22 janvier 74, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Aline. Ah, voilà, 22 septembre 1958, Aline. Vais-je déménager? Alors, Vallée des Épées. En plus, je vais commenter le tirage en même temps. Donc, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Alors, Vallée des Épées, donc ça, c'est une carte qui évoque un peu ce côté frustration ou la peur ou le mécontentement d'une situation actuelle. Typiquement, où on a essuyé un refus, où on est dans des conditions qui sont un petit peu compliquées, où on a essuyé un refus administratif. Et quelque chose, c'est plus un retard. Il faut plutôt le voir comme ça. Mmh. Ensuite, le jugement. Alors, le jugement, c'est tout simplement une question de choix. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui sont actuellement proposées, quelque chose dans lequel on doit, on va dire, décider. Derrière, le pape. Alors, le pape, c'est la carte de la signature, la carte de la contractualisation, la carte de tout ça. Donc, ça répond déjà en grande partie à la question. Ça commence à dire oui. Et derrière, la pendue. Alors, là, elle ne doit pas faire peur. Donc, mais là, on est vraiment dans ce côté, la pendue. Il y a quand même un lien dans lequel on doit se défaire et dans lequel on hésite à comment le rompre. Et ensuite, l'as des deniers, il y a un aspect financier, effectivement, pour accéder à cette chose-là. Donc, moi, ça me fait penser à une volonté de changement d'environnement dans lequel, aujourd'hui, on hésite suite à est-ce que c'est une bonne idée pour couper quelque chose. Voilà. En tout cas, elle rajoute avec du temps. Voilà. Avec du temps. Alors, Aline rajoute, suite au décès de mon ami, j'ai envie de déménager. Ouais, bon, la mauvaise nouvelle. Ouais. Bref. OK. Donc, j'espère quelque chose de plus gai. Désolé, Aline, pour votre avis. Alors, ensuite, nous avons François. Je voudrais bien savoir comment va évoluer ma micro-entreprise qui est en cours de création, s'il te plaît. Je suis né le 12 mai 1992. C'est une question très intéressante. J'aime bien ce genre de questions. Et puis c'est tellement bien gentiment demandé que. Voilà. Puis quelqu'un qui crée son entreprise, c'est voilà, c'est encourageant. Allez. Le 2 de denier. Alors là, le 2 de denier, on voit qu'on est effectivement dans ce côté, je quitte un état, donc probablement un état, on va dire, ou salarié ou sans emploi, je crée ma micro-entreprise. L'impératrice, ça c'est bien ça. L'impératrice, déjà, ouais. Bravo. Parce que je pense que déjà, vous y allez vraiment en conquérante, en sachant exactement ce que vous voulez faire, avec une volonté de contrôle un petit peu sur tout. L'impératrice, en plus, elle nous en dit probablement un petit peu sur ce que vous êtes en train de créer. Je pense que c'est probablement lié à la beauté, beauté, bien-être, peut-être bijoux. On est dans ce côté apparat, dans ce côté on veut faire du bien. Derrière, le valet de denier, bravo, bravo, parce que le valet de denier est une carte qui vient de ce côté l'argent qui rentre. Alors, attention, le valet de denier, c'est des bonnes nouvelles financières. C'est pas non plus… D'accord, mais dans tous les cas, c'est une carte qui est super intéressante. C'est pas le jackpot encore. C'est pas le jackpot, mais c'est très intéressant déjà parce qu'elle montre quand même que cette micro-entreprise va quand même gagner de l'argent, même en première année, ce qui n'est pas donné à tout le monde quand même. Donc, dans tous les cas, le valet de denier, c'est ce côté. Déjà, cette personne, j'ai oublié son prénom, sera rassurée parce qu'elle se dira, je peux gagner de l'argent avec. Donc, c'est un bon cadre de lancement. Et Eresina. Et le 3 de bâton que j'adore voir ici, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que, et c'est là où tout est, justement, quand on parlait de compréhension de carte. Pourquoi c'est un très beau tirage? Parce qu'en fait, le 3 de bâton en finale, le 3 de bâton, si on le prend de manière littérale, c'est est-ce que je continue seul ou à deux? Ça veut dire que la micro-entreprise va tellement bien, entre guillemets, fonctionner, qu'on peut parler de ou possibilité d'association, de rapprochement ou de collaboration, voire d'embauche. Donc si on en arrive à ça, c'est que forcément, il y a du succès. Donc, bravo. Et en plus, c'est bien mené parce que l'impératrice mène toujours bien sa barque. Donc, bravo. D'accord. Allez, on va en faire encore une. Alors je ne sais pas lesquelles choisir parce que j'en avais plusieurs qui sont arrivées. Mais est-ce qu'on fait une question pour un projet pour devenir thérapeute ou une question sur une question sentimentale? Est-ce que je vais retrouver la complicité avec mon ami?
Ah, alors, petite, attends, avant de, il y a un petit complémentaire qui était plutôt intéressant. La Ah, personne tu pour qui tu as, perds! voilà, pour qui tu as tiré le tarot, tu avais parlé de, je De m'en, bijoux. de bijoux. Exactement, je suis créatrice de bijoux et je fais des soins énergétiques. Merci beaucoup, c'est très encourageant. En tout cas, oui, il y avait un très joli jeu pour moi qui connais un peu le tarot. Le jeu est plutôt sympa, en tout cas, c'est très encourageant pour vous. Allez. Une question, allez, on va prendre celle-ci. Bonsoir François, j'aimerais bien savoir si mon projet de devenir thérapeute karmique va aboutir. Non, ça je peux, ça je. Alors, je vais. En plus, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Je suis vraiment un tarologue pur et dur. Et dans ce genre de situation-là où on parle de karma, c'est-à-dire qui est carrément, on va dire, une croyance religieuse, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ce type de questions. Donc, je sais où sont mes limites. Tout Et à fait. je sais que ce genre de questions, je vais pas pouvoir y répondre. Donc, voilà, je suis désolé, Non, c'est mais il faut pas. avoir ses propres limites, en fait. Et puis en plus, on est sur un chat. C'est complètement différent qu'une En plus, consultation en direct avec le son, la voix et tout ça. L'approche non, non, est c'est. complètement différente, en Il n'y a fait. pas de souci. Mais la notion de. Voilà, tout ce qui est. J'en profite pour faire une parenthèse. Tout ce qui est karma, flamme jumelle, âme sœur, c'est pas du tout comment dire, voilà, ma sphère de compétence. Il y a des gens dont c'est le métier. Et moi, c'est pas du tout ma spécialité. Vraiment. Donc, tout simplement. Donc, Allez, non, il n'y a aucune objection. une question déménagement. Bonjour à vous deux. Vais-je enfin pouvoir quitter l'endroit immonde chez qui je suis hébergée, née le 20 juillet 1954? Et c'est Nicole. Moi, j'aime bien aussi que les gens ils disent. Tu disais que c'est tellement bien dit. C'est vrai que souvent les gens ils posent une question brusque, sans dire bonjour, ni merci, ni rien. Mais là, on a des gens qui sont sympas. C'est important aussi la démarche. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas qu'une machine à À tirer les prédire, cartes. à tirer les cartes. Souvent, ils ont l'impression, mais il y a quelqu'un derrière d'humain qui vous répond. Alors, la papesse. Alors, déjà, Nicole, la papesse, ça nous montre quand même que vous êtes malheureusement un peu trop dans cette position, justement, d'attente. En fait, il serait bien que ce soit un peu plus proactif, peut-être entreprendre. Davantage de choses. Donc, la papesse, c'est une invitation quand même à se bouger un petit peu. Le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, vous voyez, c'est une carte qui me fait mentir. Parce que je pense que depuis peu, vous avez entamé les démarches pour partir. Mais depuis peu. Parce que le 3 de denier est en situation présente, est une carte de labeur. Donc, et à mon avis, je pense que ça ne va pas être facile pour vous de devoir justement, ou d'être capable justement de partir de là-bas. La tempérance, c'est un grand oui. OK? La tempérance, en plus, je suis content parce que. Même si comment dire, la nature de votre question était assez violente en disant l'endroit immonde, Oui. je suis très content de retrouver une carte comme la tempérance qui est la plus belle carte d'accalmie et de convalescence du tarot. Donc, je vous dis un grand oui et en plus, un grand oui dans lequel vous allez pouvoir effectivement vous reposer, vous ressourcer. Et je suis content de trouver cette carte de 3 de denier qui vient aussi récompenser, on va dire, un petit peu les efforts fournis pour entreprendre ce changement. Donc, je vous dis un grand oui, Nicole, et mes cartes sont assez cohérentes. Donc, je pense que vous pouvez espérer ça relativement rapidement, probablement avant la fin de l'été. Avant la fin de l'été, ben c'est plutôt encourageant. Alors elle nous dit, ça fait 1 an et demi que je suis chez un PN. Un pervers narcissique. Ah, voilà. Mais un pervers narcissique, ben, il faut se barrer. Donc, voilà. La Ouais. papesse, on attend justement la papesse a tendance à attendre, à espérer que ça s'améliore. Et je pense que vous allez avoir vraiment, peut-être ce que je viens de vous dire, mais le 3 de denier, il faut faire des efforts. Hein. Il n'y a rien qui arrivera de manière magique. C'est un peu le sens du tirage. Mais une fois que vous aurez le courage de partir, ce que je disais tout à l'heure, Stan, avoir le courage de partir en pleine nuit, c'est une question de libre arbitre, c'est une question de choix. Mais au moins derrière, effectivement, il y aura ce côté récompense.
Ok, voilà, ben merci François. Ben, je t'en prie. François Un plaisir. Villeneuve Ouais, merci. pour cette expérience tarologique qui était plutôt sympathique et qui donne une démonstration qui n'est pas forcément un exercice facile comme ça en live et surtout par des messages écrits. Parce que souvent, ben, quand on est en direct par téléphone, on rebondit, on a des échanges, c'est un véritable échange, en fait, une consultation. Donc, voilà, c'est complètement un petit peu différent. Alors, si vous voulez retrouver François Villeneuve, eh bien, vous avez son site internet françoisvilleneuve.com, où vous avez ses consultations en privé par téléphone, c'est ça? Par téléphone. Et En on peut faire physique. vidéo. On peut faire. Non, physique. Non. Non. Physique ou du Zoom, enfin Voilà. téléphone ou Zoom en fait. Hein. Et puis on a aussi de suivre François Villeneuve sur son Instagram, École du Tarot. Donc inscrivez-vous et vous aurez toutes les informations sur bah, comment bien utiliser le tarot. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a le petit Villeneuve qui est un joli petit tarot en attendant d'avoir en fin d'année le grand Villeneuve. Non, il s'appellera comment en fait? Pour l'instant, on ne le dit pas. On le dit pas. On le dit pas. Bon, en tout cas, voilà, ça sera le petit. Là, pour l'instant, vous avez le petit Villeneuve qui est toujours en vente. Et nous avons aussi comment bien tirer le tarot. Alors, c'est édité aux éditions Exergue, ainsi que le petit tarot. C'est les éditions Exergue qui sont derrière. Voilà. Et puis, j'avais oublié de dire que la formation en ligne, vous allez la retrouver en allant sur le site guide-de-la-voyance.com. Vous avez le lien qui est directement. Il y a le replay qui va être là et vous aurez toutes les descriptions, toutes les informations dans le descriptif de ce replay. Je pense que j'ai rien oublié, François, c'est ça? Non, je pense qu'on est bon. Ok. Et je voulais donner le prochain rendez-vous du live qui aura lieu le 22 juin et je recevrai cette fois-ci Ethan Mor et qui va nous parler de Ethan Mor qui est cartomancien, auteur, et qui va nous parler de l'atelier de l'invisible pour apprendre à pratiquer la cartomancie avec cœur. Il a développé une formation sur la cartomancie, entre autres, et sur d'autres disciplines. Ça promet une émission eh bien forte, intéressante. Merci à tous. Alors, je regarde encore les petits commentaires, ce qui est merci beaucoup. On nous dit, OK, bonsoir, salutations. J'aurais aimé savoir sur... Non, là, c'est fini les questions. OK. Merci à vous deux. C'était Et je fais vraiment bientôt un trop... live sur Instagram, justement, où je répondrai vraiment à ce genre aux questions, un petit peu comme tu viens de faire, comme on vient de faire. Ouais. Je vais le faire dans la semaine. Donc, De temps en temps, tu fais des lives un peu à de temps en l'improviste. temps, quand je suis vraiment de bonne humeur. Un peu à l'arrache, je dis, oh tiens, il y a C'est un ça. live. Donc n'hésitez pas à activer les petites notifications sur votre téléphone parce que souvent, ça vient comme ça, hein, c'est sans prévenir un C'est peu. ça. Merci François, merci Merci à à toi. tous. On va essayer d'envoyer le générique de fin. Et puis, très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le 22 juin avec Ethan Mor. Bonne soirée. Salut.